sais pas, il y aura une autre qui va arriver. Je suis très fatiguée, ça fait 3 heures du temps que je suis là. C'est pas grave. Je vais rentrer, je suis très fatiguée. Je peux vous accompagner ? Ok, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que tu penses. Je te trouve dans mon lit avec mon homme et tu oses me dire c'est pas ce que je pense? Parce que toi tu sais ce que je pense? Shakila, écoute-moi, c'est... Ferme-la, Marie! Ferme-la! Gilles! Avec ma meilleure amie! Ma chérie, c'est elle qui m'a poussée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Attends, ça veut dire quoi ça? Tu m'as couru après puis t'assumes plus? Stop! Je ne veux plus rien attendre! Je t'ai ouvert ma vie et mon cœur à toi, ma mère Abby. Et toi, Jude, j'espère qu'elle saura te rendre heureux comme je l'ai fait. Vous pouvez crever à l'enfer. Toi, tu m'attends là? Ouais, c'est ça. Shakila! Shakila, je t'en prie! Ne me touche pas, Jude! Je t'en prie, Shakila! Ne me touche pas! Ne me touche pas, c'est dit! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Pas de terrain à me toucher. Et crois-moi, j'en ai rien à foutre de tes plantes dans le dos. Tu pensais que je rêvais un peu qu'elle est samedi, hein? Et tu vois, c'est le destin qui m'a poussé à changer mes plans. Et regarde ce qui m'attendait. Chérie, c'est toi que j'aime. Pardonne-moi, bébé. Dégage de mon chemin. Chacune. Et va dire à elle que tu l'aimes. L'homme noir veut devenir blanc. Il utilise des produits ambimovates. Eh oui, je vous le dis, les filles, les hommes d'aujourd'hui méritent bien d'être matés. Comment dit-on les pas de ta génération? Ah oui, les femmes d'aujourd'hui sont tellement indépendantes que des fois ils payent même tout par leurs hommes. Et c'est là que tu te trompes, ma chérie. Il ne faut rien payer pour les hommes. Hein? Après, ils prennent confiance et puis ils vont satisfaire une autre femme. Il faut les traiter durement, ces hommes-là. Hein, Shakila, tu en sais quelque chose? T'as raison, maman Zita. Moi, je pense comme toi. Pour ma part, les hommes sont comme des objets que j'utilise et ça me va comme ça. Rien à foutre. Ma chérie, si tu continues à traiter les hommes comme ça, ils vont te traiter de pute. Hein. Je préfère être traitée comme une pute parce que je les traite comme ça que d'être une victime parce que je m'occupe bien d'un mec qui va me tromper. Natacha, ça va? Toujours élégante. Merci, Mama Zita. Comment ça se passe là dans ton école? C'est dur, mais on s'accroche, Mama Zita. Hein? On s'accroche. Ça va, Shakila? Oui, ça va. Très bien. Tu as le ton. Ouais. La tonne. Ça se déjoue qu'il est bien. Non, mais c'est vrai. Ouais, mettre du gel. Bonjour, les belles femmes. Toi, c'est seulement belle femme que tu dis bonjour. Mais moi, je ne vois que des belles femmes ici. Ah, ça y est. Beauté! Ça m'aurait surprise de voir Donne sans toi. Bon, salut les beautés. Salut. Bon, elle est où la plus belle? Eh, beauté, arrête de rêver, t'as pas assez d'argent pour avoir une femme comme elle. Pauvre. Cherche qui? Bertine.
Oui, il n'a pas le droit d'être amoureux en cachette. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un fou, Délé. Bertine sort qu'avec des vrais hommes. Un vrai Délé, quoi. Des vrais hommes, Shakila. C'est quoi un vrai homme? Moi, j'ai la ça, j'ai la tchatch, j'ai le pognon. Je suis un vrai Kobo, un vrai Z, vrai de vrai. Un vrai Kobo, on t'aime comme tu es. Un vrai Kobo. Même en classique, en ce moment, il fait pas ça mieux que moi. Ah ouais, vraiment. Moi, j'aimerais bien avoir ça pour 500 euros. Ouais. 500 euros. 500, mais c'est la vérité, là, je suis en super fort. Faut pas t'enfoncer comme ça. Elle papote. Je t'ai pas une beauté. Paye la coiffeuse pour moi. Je t'arrange encore les coups avec Bertie si tu veux. Toi, Shakila. Oui. Toi. Oui. Escroc. Y'a pas escroc. Oh, la dernière fois, je t'ai payé un sac Louis Vuitton. T'as rien arrangé du tout. Ah, Shakila. C'est pas moi qui t'ai laissé la dernière fois avec Bertie sur moi à la maison. Ah bah, tu passes. J'avais vu, Shakila. Ouais, tous les hommes ne se parlent. Elle aime bien rajouter. Calcule pas, t'es un vrai Joe, tu sais. On est des vrais Joe. Quel vrai Joe. Shakila, l'esprit bien vraiment. Maintenant, il est en forme. L'autre fois, il avait trop bu. Donc, arrange-moi encore un dernier coup. Je pense qu'il peut bien faire. Pour le moment. Toi, t'aimes bien rajouter Longwa Kunadi. Dis. Longwa toi. Mais des vrais jours, je t'appelle ce soir. Là, j'ai pas trop de temps. C'est calme, il est pas fou. On se voit chez Kila. D'accord. Au revoir, les gars. Mais je lui ai laissé la maison avec Bertine, mais il a pas assuré. C'est pas de ma faute. Tu lui as laissé la chance. Il a perdu ton temps. C'est pour moi qu'il va faire les travaux à sa place, hein, les filles. Hein. Ah, peut-être que tu devrais, Shakila. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais, Shakila, je vais être en retard là. On y va? T'as assuré, moi, je prends un Maman Zita, celle-là, tu la gardes. Hein. Elle est faite super bien. T'inquiète pas, c'est une vraie professionnelle. Salut, salut. Salut, maman Bande. Alors, le but de tout le temps, nous avons eu la place et les femmes, là, là, qui pas caille. Orange, Nancy, citronnier, Nancy, Zafoutier, Nancy, Avocatier, Nancy, Zambalbi, mes petits. Vous avez eu mon talent, vous avez eu mon talent, vous avez eu mon talent. Et vous avez eu mon talent, vous avez eu. Est-ce que Verdiri, vous allez Zambalbi, petit. Mais c'est elle, je ne comprends pas. C'est quand même un peu responsable de Shakila. Comment ça se fait? Elle devient vraiment une vraie pute. Hein. Shakila est assez grande que pour savoir ce qu'elle fait. Ah, mais non, hein, franchement. Elle se comporte vraiment comme une vraie pute. Hein. Non. Son comportement, là. Thank you.
Sacha. Ouais, boss. Ça va? Ouais, ça va. C'est qui? Ah, ben ça, c'est ma tata, c'est la meilleure amie de ma grande soeur, celle qui est au pays. Shakila, ben je te présente, John, mon patron. Oh, ça va? Ah, je suis John. On est super pressé, on doit partir. Si on a l'attente, tout le monde en attend, mais la maman, comme pour les soucis. Avec plaisir, même le pire. Ah, il n'y a pas de souci, à demain alors. Très bien. Ok, allez, à demain. Allez, bonne route. Hein. Merci. Bombe anatomique. Petit amour à la mystique. Il est marié, John. Shakila, tu vas pas faire ça? Je vais pas me gêner, ouais. Oui, il est marié. Je vais le faire. Il a l'air mignon. Tu vas me faire perdre mon travail. Je vais te faire gagner plus d'argent. D'ailleurs, t'es payé combien? J'ai payé 350 euros et ça me convient amplement. T'es belle. T'as des belles formes. Et tu passes ton temps de travail pour une misère pareille? Alors qu'il y a des hommes tout autour de toi qui peuvent tout acheter, Natacha. Changer ton nom, hein? Parce qu'ils donnent, on donne ça aux vrais hommes. Tu parles. Mais tu sais pas qu'il y a des jours où il n'y a pas la forme, quoi. Avec toi, c'est tous les jours. Et c'est ça les problèmes. Laisse tomber, tu peux même pas comprendre ça, toi. Même pas tenir une minute. J'imagine pas comment ça doit être avec d'autres femmes, hein? Mais Shakila, s'il te plaît, donne-moi encore 30 minutes. Et tant que j'aimerais mettre un peu en forme, non? 30 minutes. Ton temps est passé. Si tu veux plus, tu payes plus. Sinon, Katuka, à la porte. Là, tu vas pas me la faire à moi, ça, quand même. Je mérite quand même mes 30 minutes. Tu sais bien que je suis ton meilleur coup, quand même, non? Mon meilleur quoi? Coup? Mais oui. Et l'argent que je t'ai donné, là? C'est passé ou quoi? L'argent chez René, c'est passé. Hein? Dis-moi. C'est hein, ça. Chef, mais Shakila. J'ai plus d'argent. T'arrives même pas à tenir une minute. J'imagine pas avec d'autres femmes, hein? Voilà. Mais Shakila. Shakila, toi c'est différent. C'est parce que moi quand je te vois, hein? Direct. Ce n'est pas mon problème si tu fais l'amour comme un coq. Et encore, si tu as plus d'argent, tu vas trouver ta femme ou moi avec elle, ça sera gratuit. Hé, hey, Shakila, mais vraiment, tu deviens dur avec ton cul. Shakila, tu peux rester encore un peu, s'il te plaît. Hein? Shakila, d'argent, ça m'intéresse pas. Oh, mais Shakila, tu peux pas me faire un crédit, vraiment? Va faire foutre, gros. Oh, un crédit. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Shakila, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Même pas une minute. Oh, putain. Une minute seulement. Ah, franchement, qu'est-ce qui m'arrive? Quoi encore? Shakila, j'ai envie de rester, moi. Si tu espères encore toucher mon corps un jour, oui. C'est simple. Oui. Arrange les coups entre beauté et ma copine Bertine. Touche pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire par coup, là? T'es bête jusqu'à ces points? Il faut tout expliquer? J'ai compris. J'arrangerai ce qu'il faut arranger. Mais il faut que j'y gagne aussi. S'ils payent beaucoup, on gagne tous dans l'affaire. Hein. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Hein. Mon ami Mbote, là, il va toucher l'héritage de sa grand-mère dans une semaine. Et moi, je suis prêt à trahir mon ami, mon frère, là.
voilà. Rappelle-moi quand les coups c'est après. Shakila, t'as vraiment contaminé. Bah, on s'en fout. C'est comme ça qu'il faut les traiter, ces infidèles. L'école et le travail, j'ai pas le temps. On a toujours le temps, Natacha. J'ai appris à investir sur un homme. C'est pas un peu de la prostitution, ça? Ok, je vais te poser juste une question et réponds-moi franchement. Ok, vas-y. T'es avec un mec et tu couches avec lui tous les jours. Mm-hmm. Tu t'occupes bien de lui. Et après, il va voir d'autres femmes à ton lycée. Qu'est-ce que c'est de la prostitution? Ouais, mais bon, c'est pas exactement pareil, quoi. Alors un homme peut faire tout ce qu'il veut et pas une femme? Ouais, bon, c'est vrai que c'est une discussion assez compliquée, quoi. Il n'y a rien de compliqué, ma chérie. C'est toi qui te compliques la vie pendant que les autres en profitent. Tu veux que ce couple aille derrière toi? Je vais me les faire, ces mecs. Et je vais me les faire marcher à ma sauce. Il m'écoute. Shakila, ça doit être sa femme, là. Et alors? Je vais me les faire, ces mecs. Même Dieu est de mon côté. Regarde et note.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, il est déjà tombé. Il est un mal dans son couple. Une rencontre lui fera plaisir. On va voir ça. J'apprends les passes de la chasse à Natacha. Ah, ça tu pouvais pas mieux trouver Natacha. Tu sais, Shakila c'est la meilleure prof de tous les temps, c'est elle qui m'a tout appris. J'en doute pas. Alors on va toujours à cette soirée ce soir? Bon salut. Oh Smith, on va du bon gibier ce soir, tu sais. Ouais, ça va être bien. Il y aura du bon gibier ce soir en plus. Ce sera l'occasion d'en présenter quelques-uns à Natacha. Désolée, je viens pas. Allez, mais amuse-toi un peu. D'abord, tu travailles qu'elle après, mais tu vas tout le temps pour dormir. Chérie, ça va. Et n'oublie pas, je viens voir John demain. Ah, tu vas John demain. Ouais. Voilà, je continue à travailler. Voilà, chérie, c'est pour ça que je t'aime. Le jour-là, je suis là. Où ça s'appelle encore? Mais tu l'as Olivia. Olivia. Oh, Olivia. Où est-ce que tu es? Non, où est-ce que je vais chercher, mais je n'ai pas trouvé. Avec sa pote là. Comment ça s'appelle encore? Bertine. Ah ouais, voilà. Bertine. Oh, pourquoi tu l'as connue, Bertine? Non, je connais sa soeur. Elle a mis tout là, elle est belle, hein. Je l'ai kiffé, moi. Par comportement. Ah ouais. Elle a mis cette équipe. Fanny, malade. On y va? Mais après, on se présente un peu mes frangins. Moi, c'est Kim. Oh, c'est malade. Malade? Oh, 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 malade! On y va! Ah, on a tout, vraiment. On se casse. Je l'avais dit, il est vraiment amoureux d'elle. Je n'en doute pas. Ça se voit dans ses yeux à chaque fois qu'il la rencontre. Mais alors toi, alors, est-ce que tu as un plan? Ce qui est sûr, Bertine est très intéressée. Ah, ça c'est sûr. Mais avant qu'ils se mettent ensemble, on doit bien profiter de lui. Ah, Shakila! Même ta copine, tu dois manger d'abord. Je t'ai déjà dit, je n'ai pas de cœur. Mais ça tombe bien, parce qu'en fait, depuis hier, il a touché l'héritage. Mais tu connais les Mindele, eux l'argent, ils s'en foutent. Voilà ce qu'on va faire. Dis-moi. Demain, je vais faire à manger des soirs. Et toi, tu le ramènes. Et je vais faire venir Bertier. Ah! Mais là, tu m'entailles! Mais dis-moi un peu, tu peux dormir au moins ce soir chez toi? N'y compte même pas. Tant que je n'ai pas mangé un pays d'argent de beauté, tu peux toujours rêver. Mais Shakila, tu me rends fou! Oui. Moi, je suis amoureux de toi! En plus, tu sais. Je ne regarde plus aucune fille. Je ne regarde plus de filles. Je te rassure. Bien. Ah, Shakila.
fatigué. Allô? Allô, bébé? Bébé? Le bébé de ma tante. Les bébés de ta tante, bébé, c'est qui? C'est qui cette fille? Dis-moi, c'est qui cette fille? Allô? Elle me traite de pute, c'est qui cette fille? Chérie, je te parle. Allô? C'est qui la fille? Ma tante, elle dis-moi, va c'est qui cette fille? Natacha, elle a décidé de venir avec nous à la soirée. Eh ouais, Shakila a réussi à convaincre. Ah, ça m'étonne pas. Qui peut dire non à Shakila? Hein? Qui peut dire non à Shakila? Non, mais c'est bien, comme ça, ce sera l'occasion de lui apprendre les bases de la chasse à l'homme. Moi, depuis que je cours après les hommes, je n'arrive pas à y parvenir. Et les filles, on va pas passer toute la nuit ici. Allons jouer à l'autre aussi. À nous? Si tu veux bien m'éviter. Donc toi t'es là, ça y est, tu piques le mec des gens, t'as dit. J'ai piqué le mec des gens. De qui tu parles? Dis-le non. C'est ça qui a poussé, on ne pas toutes les gens. On est des copines ou pas? Réglez votre problème dehors avant de rentrer dans mon salon, hein. Shakila, toi tu as laissé faire ça et tu prétends mon ami. Vous êtes assez grande pour régler vos problèmes entre vous. Ce n'est qu'un homme parmi tant d'autres. Tu vas pas me laisser croire qu'il est amoureuse de lui. Mais c'est pas ça le problème. Où est donc le problème, Olivia? Écoute, tous les mecs avec qui tu es sorti avaient des femmes. Tu vas pas venir nous faire chier pour un flirt. Oh toi ça va fermer un salope. Tu t'es vu ou quoi? C'est moi la salope. Ouais bien sûr. Écoute Olivia, la nouvelle récrie a assuré. C'est à toi de tenir ton homme. Quoi? Mais elle avait pas couché avec mon mec, c'est tout, ça se fait pas. Attends, je couche avec qui je veux. C'est sûrement pas toi qui vas me dire avec qui je couche, ok? Ouais sans blague, t'as eu une bonne prof pour ça. Vas-y Olivia, t'as quelque chose à me dire? Tu vas jusqu'au bout de. J'ai plus rien à faire avec vous de toute façon, nom de sale pute. Allez vous faire foutre. Casse-toi. Franchement, elle s'est prise pour qui cette fille comme ça? Elle arrive et tout, à faire des catastrophes. Les filles, rapprochez-vous un peu. Hein? Il y a des règles à respecter quand même. Eh bien, allô, diable, j'en ai rien à foutre. Oh, Shakila. Mais vraiment, on dirait une femme sans cœur. Hein? Quand je te vois, on dirait que tu n'as pas de sentiments. Il faudra apprendre à te ranger un jour. Me ranger et finir comme ma mère? Me retrouver dans la rue parce que ma tante n'a jamais voulu de moi chez elle? Je sais que tu es assez intelligente pour comprendre ce que j'ai à te dire. Maman Zita, avec tous les respects que je te dois, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Mais Shakila, attends! Qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère, Maman Zita? Sa mère était ma meilleure amie. Elle a fini par trouver une de nos copines dans son lit avec son mari, le père de Shakila. Elle a fini par se suicider parce que elle ne pouvait plus supporter l'humiliation que toute cette situation l'avait engendrée. Ah, donc Shakila a vécu la même chose que sa mère? On dirait une malédiction dans cette famille-là. Et qu'est-ce qui arrive à son père? Oh, son père. Il a fini par se remarier avec cette garce-là. Un jour, lors d'une dispute, elle lui a planté seulement son couteau dans la poitrine. Il est mort sur le coup. Vraiment. Elle est en prison, là, elle subit une longue peine. J'espère bien pour elle qu'elle va y rester avec tout le mal qu'elle a fait.
Ah, elle en a bavé en tout cas. J'imagine que c'est à cause de tout ça qu'elle fait ça. Mais évidemment, la pauvre, après sa tante, l'a mise dehors après l'avoir recueillie. Ouais, je comprends mieux maintenant. T'as mon frère. Si tu fais ça bien ce soir, tu dors avec Bertine. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Rien d'extraordinaire. Juste écouter ce que Shakila va te dire. Parce que tu sais bien, Shakila, c'est une professionnelle dans ce domaine. Hein? Je crois que je l'aime. Oh, vraiment? Vous, le blanc, vous tombez vite amoureux comme ça? Essaie encore de me traiter de blanc une fois, je te casse la tête. Et toi, que je dois pas venir avec Shakila, tu cours derrière comme un lièvre. Là, tu marques un point. Mais Shakila, toi, tu la connais même pas. C'est une vraie tigresse. Elle m'envoie au 7e ciel en une minute. En une minute? Hey, mais c'est que c'est pas ma gueule. Va te faire foutre, toi. Shakila, aïe, 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 toi, tu connais même pas. Ah, c'est ça que je dis, c'est ça l'amour. C'est l'amour, tu dis? Laisse tomber, c'est pas l'amour. C'est juste pour les sexes. Mais tu vois, c'est exactement de ça que je te parle. Ça commence comme ça, mais après t'es prisonnier, mon vieux. Mais qu'est-ce que tu sais, toi? Tu peux pas comprendre ça. C'est une histoire d'Africain. Ah, c'est ça, mais prends-moi pour un con. Moi, je suis quoi, japonais? Yamanayo. Essaye encore de me traiter une fois de blanc, tu vas voir. Ok, ok, t'as gagné. Je sais que t'as des sentiments pour moi. À tous. Disons que je l'aime bien. En plus, c'est un bon modèle. Même si parfois il se prend pour un black congolais. Dis-toi, c'est toi qui t'appartient. Ok, je te fais confiance. C'est bien, je peux te faire confiance. On va bien manger ce soir. Ouais. C'est bon, hein? C'est bon. Dis-moi, Moté, quel effet ça te fait d'avoir beaucoup d'argent comme ça? Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'argent sans beaucoup travailler, tu sais, ça change pas grand-chose. Ah, ça c'est bien! Pour des gens comme vous qui êtes nés dans des bonnes familles. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, ça fait pas forcément le bonheur. Je t'avoue que j'aime ça, votre manière d'être. Parce que vous, avec ou sans argent, vous êtes toujours bien sapé, content de vous retrouver, de faire la fête. Je sais pas, ça me charme. Ah, ça, mon frère, ça, c'est l'esprit africain, ça. Ah, ben voilà, tu vois, rien que ça, rien que t'entendre m'appeler mon frère, bah, moi, ça suffit, ça, moi. Ouais. Mais c'est normal, toi, c'est différent. Toi, t'es un Kobo, t'es un vrai Z, toi. Un grand prêtre, regarde comment t'es sapé. Hein, normal, non? Alors, les garçons, vous vous amusez bien? Ça va? Mais tu sais, Shakila, nous... Quand on est chez toi, on se sent chez nous. Hein. Hey, n'en fais pas trop. Hein. On va ranger la table et j'espère que vous allez apprécier ma cuisine. Hein. Shakila, il n'y a pas que ta cuisine qu'on apprécie. Toi, t'arrêtes jamais d'obséder, va. C'est toi qui me fais ces effets-là. Bon, prochaine. Chérie, je te laisse continuer, je vais discuter un peu avec Mbote au balcon.
Beauté, tu viens? Un beauté. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Enfant, eh bien, il a cru que c'était une ceinture aventure. T'en crains soin aujourd'hui, hein, mon gars. Je te fais confiance, hein, Shakila. Toi-même, tu sais, je ne fais rien pour rien. Tout a un prix. Oh, allez, Shakila, même à ton frère. Laisse-moi d'abord ton histoire des frères-là. Tu fais vertu ou pas? Bon, ok. Je te vois venir, je te connais trop. Combien tu veux? 10 000 euros, ça fait mal sur moi. Oh, Shakila, 10 000 euros? Tu fais vertu ou pas? Ah, ben, ça, c'est l'escroquerie. D'accord, laisse-moi de l'abord. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Disons que je te donne ça demain, ok? Demain? Demain à quelle heure? Je sais pas, 9-10 heures. 10 000 euros. Ça me va. Ok. T'es sûr que ça va marcher, hein? Ça va marcher. Toi, même, tu sais, tu sais me faire confiance. Je te fais confiance. 10 000 euros, t'as perdu. 10 000 euros. 10 000 euros. Ok. À une femme. Je pensais que tu t'avais pris ton pied. Pauvre con. C'est moi qui paye. C'est à moi de prendre mon pied. Mais c'est ma carte. Qu'est-ce que tu fais? Avec ma carte. Oh! Ne m'appelle plus jamais! Gros con. Ouais, raconte-moi avec ton mec, justement. Oh là là, laisse tomber, je te jure, il m'a... C'est pas mon mec, je te jure, arrête. C'est vrai, bon. Je te jure. Il m'a fait des choses, mais... Oh là là, ah j'ai ouais. La haine, je te jure. Vas-y, raconte-moi. À peine 2 minutes. Oh... Non... Non, je te crois pas. Pour deux moi, minutes. Une fois. Pour moi, une fois, je commence à prendre mon pied. Pour moi, une fois. Voilà. Et en plus, il ose me dire c'est lui qui paye. Ah ouais, d'accord. Donc c'est à lui de prendre son pied. En même temps, merci. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, quand il pense, il a pas tout à fait tort, hein. Ouais, il a pas tout à fait tort. Bon, santé. Santé, ma copine. T'as de la chance. À tout de suite, alors, j'arrive. Tout de suite. Ok, yeah, man. Henri, dormez pas. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Uyunzoto, lukula munzoto, petita tunda boboto, riscapé ya mundandoto, 1m73, hayebi kuta à l'aise, platier la yemwa badiese. Nuye colina d'omblaise, batoba panza l'ukotro, nuyo yaba likro, pakale ele katro, nabukango na mikro. Monsieur Vandenberg, t'as mon argent? Oublie tout ce qui s'est passé entre nous. T'aurais dû penser avant de me faire l'amour. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu le sais, tu fais l'imbécile. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu trompes ta femme? Qu'est-ce qui me dit que tu continueras pas à menacer une facture à l'argent? Si au moins t'en valais la peine, j'aurais le raison de m'accrocher. Paye-moi et je te laisse en paix. Et tu pourras continuer à faire les moutons face à ta femme. C'est comme ça que tu traites tous les hommes avec qui tu sors? Sale mal et mauvais coup comme toi. Fasse la photo. D'abord l'argent. Exécution.
Alors, ça te va? Disparais maintenant. On se lève, Stéphane c'est saignant,
de Marie-Claude, le conseiller Franck Moubilandila. Pour bien s'amuser, il faut danser. Pour bien s'éclater, il faut danser. Doucement, 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 pour les nanas, doucement. Doucement, 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 pour les garçons, doucement. Doucement, 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 pour les patrons, doucement. Doucement, 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 pour les tontons, doucement. En bas, en bas, en bas, en bas. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. J'irai ce Kembo Christian Kinkela. Le célèbre Trigomba du Papa Nakimia. Rouf Mboutanganga, la voix autorisée. Il faut savoir s'appeler pour bébé, car chaque jour est différent de se passer le temps. Jean Awito, notre conseil, événement. Car chaque jour est différent de se passer le temps. Qu'il arrête au père triple, Kadel Misala. Dieu drop pas, Abidjan c'est tout, Abidjan c'est ouais. A Kinshasa, à Yaoundé, Samuel Eto'o, fils d'Afrique. Bougez-les, bougez, bougez-les, bougez-les, bougez, bougez-les. Bougez la tête, bougez le corps, Mabina, Mabina, Mabina et Simon Maïlo, bougez-les. Dadimba qui dit pétrole, bouge, bouge. Bouge la tête, bouge le corps, Blaise Matuidi. À l'Europe, en Amérique, la musique n'a pas de frontières. Bouge, bouge. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bouge, bouge. Averombi a bougé, bougé. Vieux Porto, c'est bougé, bougé. Je crois que Shakira va pas bien, je vais la voir, ça ne dérange pas. Non, bien sûr que non, je t'attends. Ça va pas trop long. Bonjour Démon, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui celle-là hein? Notre atrace féroce, puisqu'elle a trop visé toi. Hein? Non, mais ça se voit que pas dans ton assiette, là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous marchez avec Marie-Aliette? Je vous ai vu vous en bouffer. Hein? C'est vrai que, franchement, c'est un chouette mec et... En fait, c'est tout à fait mon genre de vrai. Mais est-ce qu'un ne lâche pas? Parce qu'il y a quelques croquettes dans le chien. Va t'occuper de lui, je vous rejoins. D'accord. Tu nous rejoins, t'es sûr, hein? Oui. Thank you.
en fait. Voilà. Non, on me poussait aujourd'hui. J'ai chargé le tournage. Ouais. Non, non, c'est le tournage. Moi, je pense que aujourd'hui, on m'a demandé ça aujourd'hui. Que j'étais avec ma cousine et qu'on sautait, on dansait partout, on était là, genre, ouais, comme des folles. Et j'étais avec des lunettes de soleil en bikini. En short. Tu t'en foutais de défoncer, quoi. Ouais, complètement. Et je me suis retrouvée dehors. D'accord, tu trouves un autre mec. Ah, merde, j'aurais pas dit. Pardon, bah non. Putain, ma meuf se promène en bikini. C'était pas moi, c'était une poche. C'était une poche, tu vois, comme ça, une poche, là, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Non, on s'est pas compris, tu vois, non, je parlais d'une très bonne pote à moi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, tu vas me présenter cette pote. Pourquoi faire? Mais je vais poser une question. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais présenter mes potes, ouais. C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé, Cyrienne? Natacha, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que je pense? Je te trouve dans mon lit avec mon mec et tu oses dire que ce n'est pas ce que je pense parce que tu sais ce que Natacha, je pense? Natacha, écoute-moi! Ferme-la, Shakila, ferme-la! Comment t'as pu faire ça? Ah, chérie, c'est toi qui m'a poussé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça veut dire quoi ça, hein? C'est toi qui m'as couru après et maintenant t'assumes pas? Stop! Je vais plus vous entendre tous les deux. Comment t'as pu faire ça, Shakila? Je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai ouvert ma vie et c'est comme ça que tu me remercies, ma tata? Et toi, Ryan, hein? Toi,
J'espère qu'elle te rendra heureux comme je t'ai rendu heureux. Parce que là maintenant, allez crever en enfer. Toi, ne bouge pas. C'est ça. Ne me touche pas, Ryan. Natacha, ne me touche pas, Ryan. Crois-moi, j'en ai rien à foutre de mettre ça dans le vent. Tais-toi, Ryan. Qu'est-ce qui se passe? J'étais censée rentrer samedi. Et qu'est-ce qui se passe, Ryan? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quand on fait, je rentre, Ryan. Dégage. Et va lui dire à elle que je l'aime. Tu l'as dit oh. Mais non, je veux pas. De toute façon, j'ai plus rien à faire avec vous, bande de salubes, sale pute. Casse-toi. C'est des salubes. Non. Plan jusqu'ici et puis. Yes. Et puis on termine. Vraie pute. Ça va? Une vraie pute. Elle va déshabiller Natacha. Elle va déshabiller. Shakil, là, toi, t'as laissé faire ça, tu prétends être mon ami. Vous êtes assez grande pour régler vos problèmes entre vous. Ce n'est qu'un homme pas. Recommence à la phrase. C'est pas. Bon. Oh. Très belle. Qu'est-ce qui vous fait rire, les filles? Oui. Tu vas rester là. C'est du dernier moment, ça. Alex. Alexandra. Alexandra. Ça va, je peux t'aider? Bien. Tous les hommes qui n'attendent pas un deux jours ont raison. Eh oui, t'as fait c'est sûr. Des vraies raisons en plus. Des vraies raisons. Ma chérie. Voilà. Tu cambres et puis tu sors. Ok? T'es sur ce genou? Voilà. Shakila, concentre-toi. Tu vas juste te cambrer. Tu cambres, c'est-à-dire tu ressors ton. Non! Non! Hey! Bon, je vous. Écoutez, si vous comptez, je vous filme et je mets ça sur Facebook ce soir. Concentrez-vous. Non, non, coupez. La robe, ta jupe, vraiment ici, tout le monde, Ozoya, Ozo, quitte ça. Ozo, ma tsamo, c'est à dire, la bête qui va de l'eau, moi. Bien. Give me that couteau là. Natacha, je t'en prie. Ne me touche pas, Ryan. Tu vas où là? Très bien, restez là, juste les mains. Et c'est bon. Touche-moi, Ryan. Je vais vers ça et tu me prends des téléphones. Oh, les téléphones. C'est dans téléphones. Ta chemise. Non, juste. C'est à qui les téléphones? Ah, c'est à moi ça? Non, j'étais pas sûr. Shaki. C'est vraiment ici.
Ça va? Non, non, non. Chaki est vraiment ici, quoi. Ça va? Ça. Ouais. Ça me touchera rien, non? 3, 4, 5. C'est pas aller plus loin, là. Genre. Une test, une test. On va jusqu'à 100. Ah, t'es con. Mais deux bidons. Je sais juste combien. C'est bon? Je t'ai fait chaud. Ouais, moi j'aimerais bien avoir ça pour 500 euros. Allez, c'est la vérité, là je suis super fou. Oh, on va pas foncer, man. Silence, grâce. Action. Juste ta tête qui se tourne vers elle. Ça va? Comme ça? Ouais. Voilà. Silence. Silence. Je vais rentrer, je suis très fatiguée. Hello, Betty. Action. Écoute, c'est quoi le problème? Laisse-moi parler. Il fallait continuer, continuer. C'était bien, c'était ça en fait. Voilà. Continuer. Ouais. Continue. Non, recommence. D'accord, je m'arrête. Allez. C'est bon. Mais non, mais tu ne peux pas me tapons dedans. Parce que là, tu dis pas. Ouais, non, 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 il faut te laisser aller, Zadie. Tu... Parce que moi, je tiens vraiment à un côté. Ah, j'en tiens plutôt ton argent, oui. Où est le problème? Bon, on y va les filles. On y go. J'aime bien cette phrase. J'ai bien aimé la prise. Hein. J'ai bien aimé la prise. On va la recommencer. C'est super. Hein. Je vais commencer par ça. Coupez. Ah, Shakira. En tout cas. Mais tu deviens vraiment dur avec ton cul, toi. Eh oui, parce que j'ai les beaux bien. Suite à une action syndicale, le train ne sera pas circulé aujourd'hui, parce que allez, tu prends tes affaires, go, go. Putain, c'est tout la même chose. Ok les filles, on va pas tasser. Je ne cesserai de te dire jamais assez. Bon. Chaki, la mets-toi déjà à l'aise. Non, elle est mal à l'aise. Non. Bon, je veux dire, à l'aise pour tourner. Moi, tu es mal à l'aise, oui, ça c'est vrai. Et là, t'es mal à l'aise dans la salle. Hein? Bon, dans les films, tu es mal à l'aise. Là, t'es mal à l'aise. Bon, dans la réalité, mets-toi à l'aise. Mm-hmm. Pardon. Il n'y a plus personne. Bye-bye. Ils ont allumé les... Écoute, il y avait deux personnes là. Non, le parking, il n'y a pas de problème. Au moins, avancez déjà parce qu'on termine dans 10 minutes. Silence. Ok. Action. Qui c'est qui? C'est qui le boss? Mr. Cherry. C'est qui le boss? Ça dépend. Natacha qui prend des risques là-dehors. Ah, je comprends, je comprends. Il faut avancer. Quel risque? Bah, t'as vu le gars qui passe? Oh, on est avec toi. On est avec toi. Vous êtes tous pareils. Même pas foutu de faire une... Coupé. Couche-toi et relève-toi, vite. Oh, laisse tourner, mais c'est laisse tout le temps qu'on recommence à recommencer. Laisse, laisse tourner. Maman, si t'as, je comprends pas. Comment tu peux le laisser? Ah. Tous pareils, quoi. Vous n'êtes même pas plaisir de... Coupé. Désolé. Tous pareils. Vous n'êtes même pas plus... Coupé. Silence. Allez, position. Position, vite fait, vite fait, vite fait, grâce. Position. Mets-toi vite. C'est pas grave. Allez, concentration. Concentration. C'est ton chéri. Tu viens prendre l'argent. Mais tu vas lui faire plaisir d'abord, ok? Action. Coupez. Vous faites l'amour comme des lapins. Là. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est... Tu vois? Eh, on vit la paix. On a dit la paix. Mais j'ai dit vous deux. J'ai pas dit que lui. Moi j'ai rien dit, hein. Si tu prends pour toi, c'est pas de ma faute. Hein.
Oui, c'est vrai, tu travailles pas. Mais alors, je t'ai jamais fait de reproche. Et si j'ai pas le choix pour mon travail, je dois partir une semaine à Oslo, c'est comme ça. Je t'ai dit que je voulais bien aller travailler. C'était pas de ma faute si je trouvais pas de place. Mais je sais, mais je te fais pas de reproche, mais si toi si tu es en train de me faire des reproches, à chaque fois tu me fais des reproches, putain, et tu pars pendant une semaine. Parce que toi, tu me fais un reproche parce que je pars une semaine pour travailler. Et évidemment, tu pars juste pendant le mariage de ma meilleure amie. Qu'est-ce que j'ai de quoi est-ce que je vais avoir l'air, moi? C'est pas grave. Putain, c'est bon. C'est ta meilleure amie. Tu peux dire les ok. Voilà, silence. Action. Il est marié, John. Shakila, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner, ouais. Oui, il est marié. Je vais bien mais le faire, il a l'air mignon. Mais tu vas me faire perdre mon boulot. Je vais te faire gagner plus d'argent. D'ailleurs, t'es payé combien? 350 euros par semaine et ça me suffit amplement. T'es belle. T'as des belles formes. Et tu perds ton temps de travail pour une misérable pareille. Alors qu'il y a tout autour de toi. C'est très bien. C'est pour un... Ça... Ah. C'est déjà bien. Pardon, tu disais? Elle a dit pour un misère. Pour oui, un c'est... Pour une misère. Salaire de misère. Il est marié, John. Shakila, tu vas pas faire ça. Je vais me gêner, ouais. Oui, il est marié. Je vais me le faire. Il a l'air mignon. Tu vas surtout me faire pardon. Tu vas me faire rater ma réplique. Bien ici. Il est marié, John. Pardon. Je sais pas ce que je veux dire. Ah oui, c'est ça. Action.